infliger des dégâts à des adversaires à au moins 30 mètres de distance avec un lance-roquette. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'aller près d'un distributeur automatique, ensuite d'aller dans explosif et d'acheter un lance-roquette. Donc je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs automatiques. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts à un adversaire à 30 mètres de distance. Donc, pour savoir à combien de mètres de distance vous êtes, vous faites un ping. Vous pingez, voilà, comme ça. Et vous voyez à peu près à quelle distance vous êtes de l'adversaire. Donc, bien entendu, ce que je vous conseille aussi, c'est de faire ce défi en partie uniquement contre des bots. Donc, si vous ne savez pas comment faire une partie uniquement contre des bots, je mettrai une vidéo en description et en commentaire épinglé qui vous explique comment faire. Comme ça, vous aurez plus facile, les adversaires seront un peu inoffensifs et vous pourrez réaliser le défi très facilement. Alors, vous pouvez essayer de le faire contre un bot comme ça. Je vais essayer hein, et on verra bien si ça fonctionne, mais je ne suis pas très sûr. Donc voilà, là, je suis à 40 mètres de distance. Je lui tire dessus et on va voir si ça valide. Si ça valide, c'est génial. Mais si ça valide pas, bah, tant pis quoi. Ok, ça a fonctionné. Infliger des dégâts à moins 30 mètres de distance, ça a fonctionné. Donc, il n'y a même pas besoin de faire une partie contre des bots. Vous trouvez des réels bots dans votre partie normale et vous faites le défi facilement grâce à cette astuce. Dès que vous aurez infligé une seule fois des dégâts à un adversaire à 30 mètres de distance avec votre roquette, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code créateur SCL.